Alors, le nom, c'est un mot qui désigne une personne, un animal, un objet, une idée, un lieu. Exemple, le garçon, un chat, une bouteille, l'amitié, le jardin. Ils sont précédés toujours par des déterminants. Le, un, une, l'apostrophe, le. C'est pourquoi on les appelle des noms communs. Parfois, le nom désigne une personne, un animal ou un lieu en particulier. Parmi ces garçons, je désigne Albert. Alors, Albert, c'est un nom propre. Le nom propre commence toujours par une majuscule, même s'il se trouve au milieu de la phrase. Un autre exemple, Lisa est ma chienne. Dans cette phrase, il y a deux noms. Lisa, c'est un nom propre. Chienne, c'est un nom commun. Il est précédé par le déterminant ma. On va voir dans des prochaines vidéos qu'est-ce qu'un déterminant. Pour plus d'informations et de vidéos, vous pouvez visiter notre site web www.savola.net.